Vishuti Putra Atra Surupam Rupam Tasagracha Muri Purim Maturim Kostuatim Radha Kundam Giribaram Oh Radha Madhvasam Prabhu Yasya Pratit Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Hemapati Vyachave Sundaraya Tasmai Mahapremara Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakta Veda Aparada Lakshe Chiptasya Kamari Paranga Marje Kripa Mahikam Sharanam Prapana Shikara Smaraha Smurali Manora Radhikara Sakamama Kripa Nidhe Supriya Charana King Kurim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivami Tvayavena Iti Vigyaya Devi Tam Nayama Chana First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali. My heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarajatam Gurupada Padma Nitya Lila Pravisht Om Vishnupada Ashtotara Satasi Rupa Anugachari Varya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupa Anuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpa, Kripa Sindhu. Shila Gurudeva Ki Jai. Come with me to the bank of the Ganges in Kashi. Venez avec moi sur les berges du Gange à Kashi. Sri Chaitanya Mahaprabhu is sitting at Manikarnikara Ghat and instructing the
Amrita, transcendental nectar of Bhakti Tattva, is flowing from his lips, and Sanatan Goswami Pada is drinking through the cups of his two ears. Là, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est assis à Manikarnikaragat en compagnie de Srila Sanatan Goswami, et le nectar de l'amour de Dieu coule de ses lèvres, et Srila Sanatan Goswami le boit avec ses oreilles. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Sravana Shuddha Chitte Kare Uttai. Mahaprabhu is explaining Krishna Prem is Nitya Siddha, eternally perfect. Chaitanya Mahaprabhu explique que Krishna Prem, l'amour de Dieu, est éternellement parfait. Sadhya Kabunai, it is not something that you can attain by a sadhana. Ce n'est pas quelque chose que il est possible d'atteindre par une pratique spirituelle, une sadhana. But by practicing sadhana, bhakti, shuddha chitte, the heart becomes purified, and that pre-existing, eternally perfect love manifests in your heart. Mais par une pratique spirituelle, par une sadhana, alors le cœur devient purifié et il devient le réceptacle de ce courant de bhakti, d'amour de Dieu qui existe éternellement. So now Mahaprabhu is explaining that this sadhana bhakti is of two types, vaidhi bhakti and raganuga bhakti. Chaitanya Mahaprabhu existe et explique qu'il y a deux sortes de bhakti, la vaidhi bhakti et la raganuga bhakti. So first, Sri Chaitanya Mahaprabhu will explain about vaidhi bhakti. Tout d'abord, Chaitanya Mahaprabhu a expliqué la vaidhi bhakti. Yatra ragano vaptatva pravriti upajayate shasane aiva shastrasya sa vaidhi bhakti uchate. When a person is devoid of taste for the rag, the loving moods and services of the residents of Vrindavan. Lorsqu'une personne est dénuée de rag, de ce goût pour le service, ce mood de service et d'amour des habitants de Vrindavan. And so, because he does not have taste in the rag, in their loving services, he is pravrit. That means he is his activities are initiated or directed by the instructions of scripture, the rules and regulations of scripture. Puisque cette personne ne peut pas goûter les échanges d'amour qui se passent dans le monde transcendantal, le rag, alors toutes ses actions, il est pravrit, c'est-à-dire que toutes ses actions, elles doivent être dictées par les règles et les régulations trouvées dans les écritures saintes. Sa vaidhi bhakti uchate, then his hearing and chanting, remembering the various practices are all called vaidhi bhakti or devotional service according to vidhi, rules and regulations. Donc il pratique l'écoute, le chant, le souvenir en accord avec les instructions des textes sacrés, et il pratique ce qu'on appelle les vidhi, les règles et une dévotion par les règles et les régulations. So it's important to understand here, yatra raga no vaptatvat. This person has not attained rag. The verse says this, but actually the implication of the verse is that he has not attained a taste for the rag of the associates. Le verset dit il n'a pas atteint le rag, mais ce que ça implique, c'est qu'il n'a pas atteint le goût du rag qui existe entre les compagnons du couple divin et le couple divin. In other words, when he is chanting the holy names, then he is not seeing Krishna and his associates. En d'autres mots, lorsqu'il chante les saints noms, alors il ne voit pas Sri Krishna, Radha Krishna et ses compagnons. And without seeing the associates of Krishna reflected in his heart, how they are serving him in a beautiful way, then he cannot develop a taste or an interest in the way they are serving. Sans pouvoir percevoir la manifestation de Krishna et de ses compagnons et de leur échange d'amour dans son cœur, alors comment est-ce qu'il pourrait développer une envie de goûter cette relation? The heart is like a spatikamani, that means a crystal. Le cœur est comme un spatikamani, c'est-à-dire un cristal. And when the devotee is chanting the holy names and begins to realize the associates of Krishna, then their love for Krishna
It shines like the moon. Lorsqu'un dévot chante, alors il et qu'il atteint la vision des compagnons de Krishna, alors leur amour est comme les rayons de la lune. And the moon-like rays of their rag, of their love, shines and causes the crystal of that devotee's heart to be illuminated. Ulasita. Et les rayons de la lune qui sont l'amour de ces dévots se reflètent dans le cœur, dans le cristal du cœur du dévot. And when his heart is ulasita, illuminated and filled with joy, being touched by the moon-like rays of their rag, then he's Hare Krishna. He's inspired to engage in chanting, hearing and remembering. That is following their moods. That is called Raganuga Bhakti. Lorsque ces rayons de la lune, que sont l'amour des compagnons éternels de Krishna, illuminent le cœur du dévot, alors Hare Krishna, il goûte vraiment cette envie de chanter, d'écouter, de glorifier, et il entre dans le Raganuga Bhakti. So here, Yatra Ragana Vaptatva, this person, does not have that internal inspiration. Donc cette personne qui est décrite dans ce verset, il n'a pas cette inspiration intérieure. So what is inspiring him to engage in bhakti? Alors qu'est-ce qui va le motiver à agir dans la bhakti? The instructions, the rules and regulations of the scripture. Ce sont seulement les instructions, les règles et les régulations qu'il trouve dans les écritures saintes. The scripture said, you are a soul. Les écritures, par exemple, disent tu es une âme spirituelle. You are a tiny jiva who is coming from the tatastha shakti of God, Krishna. Tu es une petite âme, un jiva qui vient de la tatastha shakti, de l'énergie marginale de Dieu. It is your duty to serve God. Et donc c'est ton devoir de servir Dieu. And by this you will attain perfection. Et par cela tu atteindras la perfection. And if you don't serve Krishna, then you'll be in Maya. Et si tu ne sers pas Krishna, alors tu seras dans Maya. And you suffer lifetime after lifetime. Et tu expérimenteras cette souffrance vie après vie. Hearing these things, the devotee thinks, oh, I should do some devotional service. Alors en lisant ça ou en entendant ça, alors le dévot se dit, oh, ok, ça, je suis motivé, je vais pratiquer le service. I have to have discipline in my life to follow these rules. Je vais devoir discipliner ma vie pour suivre ces règles. So shasane eva shastrasya, the scriptural rules are inspiring him to act. Les injonctions scripturaires l'inspirent à agir. Now, these angas of bhakti, Sri Chaitanya Mahaprabhu explains to Sanatana Goswami, there are 64 angas of bhakti, or limbs of devotional service. Sri Chaitanya Mahaprabhu explique à Sanatana Goswami qu'il y a 64 aspects du service de dévotion. So, first, Guru Padasaya Diksha Guru Rasivan Sadama Prachashiksha Sadumaganugaman. The first anga of bhakti is Guru Pad Ashray, to take shelter of the lotus feet of a spiritual master. Le premier aspect de la bhakti est de prendre refuge au pied de lotus d'un maître spirituel. That means not initiation. Ça veut pas dire initiation. Only to ask for shelter from Guru and begin to serve. Simplement demander le refuge d'un maître et commencer à servir. Srila Sanatana Goswami Pad said this period is like a testing time when the guru is testing the disciple and the disciple is also testing the guru. Srila Jiva Goswami dit c'est un petit peu la période d'examen où le maître spirituel examine le disciple et le disciple examine le guru. And it should continue for at least 1 year. Et ça devrait durer minimum un an. During this time, the guru comes to understand the swabhava of the disciple, and the disciple, by serving the guru, he begins to realize, oh, those questions in my heart, even that I did not ask, Gurudev is answering them. So I understand that Krishna in my heart has manifested in front of me as Guru Tattva. Et donc durant cette période, le gourou il peut comprendre le swabhava de du disciple, et le disciple il peut réaliser parfois que oh, toutes ces questions que j'avais dans le cœur sans même les demander, Gurudev il a répondu. Donc je comprends que c'est Krishna dans mon cœur, s'est manifesté à l'extérieur de mon cœur comme Gurudev. Then now this disciple is realizing, oh really, oh, this Vaishnava, he is the Guru Tattva, the Akhanda Guru Tattva, original Guru, is
manifesting through him and instructing me. So now he can take initiation. Because initiation received without faith, it will not be fruitful. Le disciple donc réalise par cela que la Kanda Guru Tattva, ce principe du gourou, se manifeste jusqu'à lui à travers ce Vaishnava, et donc il accepte de prendre initiation. Mais pour cela, il doit avoir une foi ferme, parce qu'une initiation sans une foi ferme ne portera pas de fruit. So it is said that initiation is the fruit of Guru Parashray. It's not a fashion or some ritual or ceremony. It has to correspond with the internal development of the disciple. Il est dit que l'initiation c'est le fruit de Gurupada Ashray, cette période d'essai un petit peu. It is the fruit. C'est le fruit. Diksha is the fruit of Gurupada Ashray. Le diksha, l'initiation, c'est le fruit de Gurupada Ashray, cette période qu'on vient de décrire. So in the Shastra it is said that by giving initiation to an untested disciple, it brings the ruination of the world. Il est dit dans les Védas que donner initiation à quelqu'un qui n'est pas passé par cette étape-là, qui n'a pas été testé, alors ça amène la ruine du monde. And if the disciple does not test the guru also for 1 year and quickly takes initiation, after a few days, then he may regret. Oh, why did I take initiation from this person? Et de la même façon, si le disciple il prend initiation avant cette période-là, comme cela, alors très rapidement, il pourrait regretter d'avoir pris cette décision. So then it becomes a very terrible situation, because you cannot reject the guru in Vedic culture. It's a great offense. Alors ça devient une situation assez terrible, parce que on ne peut pas rejeter un gourou dans la culture védique. So this is what Mahaprabhu is explaining here in Vaidhi Bhakti. First Guru Padasrai, then after the testing time, then the second anger of Bhakti is Diksha initiation. Donc Mahaprabhu explique que là, après Guru Pada Akshay, cette période d'essai, alors il y a le Guru Diksha, l'initiation. So then, after initiation, Guru Sevan, Vishram Bhena Guru Seva, to serve the spiritual master with very firm faith. Puis il y a Guru Seva, c'est-à-dire servir le maître spirituel avec une foi ferme. And Sadharma Pritcha. After one has served, then his mind becomes a little purified. And he can ask questions. Après avoir servi, le mental devient purifié, et alors il peut commencer à s'enquérir en posant des questions. And receive answers gradually, all the tattva gyan, bhakti tattva, jiva tattva, nam tattva, all these tattvas will begin to appear in his heart. Puis il va commencer à recevoir des réponses, et tous les tattva, guru tattva, nam tattva, etc., lila tattva, vont commencer à se manifester dans son cœur. So, sadhu maganugaman, and one should live following the example of the previous acharyas. Et nous devrions vivre en suivant l'exemple des acharyas précédents. Krishna te akila bhoga tyag, Krishna te akila chesta prayan. All of one's activities should endeavor to please Krishna, and one should, for the sake of Krishna, give up all sense gratification. Toutes nos activités devraient être faites dans le but de plaire à Krishna, et également nous devrions faire un effort pour abandonner la gratification sensuelle. One should observe Ekadasi. Par exemple, nous devrions observer Ekadashi. Worship Tulsi. Adorer Tulasi. And 16. Don't become overwhelmed with lamentation. Don't become upset. It's the 16th anger of bhakti. If you're becoming upset, then you are not following these angers of bhakti. Le 16e aspect de la bhakti, ne devenez pas fâché. Ne soyez pas dans la lamentation, dans la plainte. What number what anger of bhakti is it? 16. 16. Don't be upset. Ne soyez pas fâché. So, Mahaprabhu is explaining. The first 20 angas are only the praveshdwara, only the entrance into bhakti. Les 20 premiers aspects de la bhakti sont en fait simplement l'entrée, la porte d'entrée pour la bhakti. So, after describing
The first 20 angas, then Srila Prabhupada said, after one has become established in devotional service, then there are the positive actions of Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. So these angas, though you are doing them from the beginning, but until you enter into bhakti, you are doing only the abhas of those angas. The real angas will manifest when one becomes established in the first 20 angas, which are the pravesh, the entrance into bhakti. Srila Prabhupada, il commente qu'après être établi dans la, après ces 20 premiers aspects de la bhakti, nous sommes établis dans la bhakti, alors nous pouvons commencer les angas de Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Alors bien qu'avant nous le faisions, en fait c'était simplement le abhas, un reflet ou une ombre de ces, ces angas. All these angas begin with the shelter and service of Gurudev. Tous ces aspects, ces angas, ils commencent en premier par le prendre refuge d'un maître spirituel. Mat kripa bina kon karma bhakti noi Krishna bhakti duri raho sansana ikshay. Without the blessings of a mahat, a great soul, nothing that you can do will be bhakti. Sans les bénédictions d'un mahat, d'une grande âme, alors rien de ce que nous faisons pourra être de la bhakti. You may think I am hearing chanting, but if one is independent and has no connection with the pure devotee, this is only karma. Nous pouvons écouter, chanter, etc. Mais s'il n'y a pas de connexion avec un pur dévot, c'est simplement, on crée simplement du karma. Because bhakti is transcendental, so one has to be connected with the transcendental, the source of bhakti. Parce que la bhakti est transcendantale, alors le seul moyen de l'obtenir est d'être connecté avec la source de la bhakti. So, in regard to Guru Seva, see, Krishna himself has said, Naham ijja prajati bhyam tapasapa samena cha. Tusayam sarabhutatma guru susraya yata. Perhaps you know that Krishna, when he was a boy, he studied in the Gurukul of Sandipani Muni. Par rapport au Guru Seva, il y a cette histoire où Krishna, peut-être vous savez que quand il était. Il avait un certain âge, il est parti au Gurukul de son maître spirituel Sandipani Muni. And one day the Guru Mata, Sandipani Muni's wife, asked Krishna and Sudama, his friend, Brahmin friend in the Gurukul, to collect some wood. Un jour Guru Mata, donc la femme de Sandipani Muni, a demandé à Krishna et à Sudama, son ami Brahman, de partir dans la forêt pour aller chercher du bois. So they were collecting wood in the forest, then suddenly there was a tremendous storm. Ils étaient en train de ramasser du bois dans la forêt quand soudain un grand orage est arrivé. And water was flowing on all sides. They couldn't come out of the forest. Et il y a eu une inondation, l'eau coulait dans tous les côtés, ils ne pouvaient plus sortir de la forêt. So they took shelter under a tree and holding the wood on their heads so it would not go on the wet ground. And they were holding hands and standing and shivering the whole night. Et donc les deux enfants ont pris refuge sous un arbre avec tout le bois sur leur tête pour ne pas qu'ils soient mouillés par l'eau du sol. Et ils tremblaient en se tenant la main tous les deux. In the early morning, Sandipani Muni was wondering, where are my disciples? Tôt le matin, Sandipani Muni s'est dit, mais où sont mes deux disciples? And he went out into the forest and there he found Krishna and Sudama. Il est parti dans la forêt et là il a vu Krishna et Sudama. And he saw how, even in great difficulty, without any regard for their personal comfort or anything, they were still determined to serve him. Et il a vu que malgré ces grandes difficultés, ils continuaient de remplir leur service sans même se soucier de leur confort personnel. So Sandipani Muni gave blessing to Krishna. Alors Sandipani Muni a donné sa bénédiction à Krishna. Oh, that your words will be the essence of the Vedas and there will be Amrita, eternal nectar. Tes mots seront l'essence des Vedas, ils seront Amrita, éternel. Hein? So we think that the Bhagavad Gita, even today, 5,000 years later, is so famous. Hein? Because Krishna got the blessing from his guru. Donc on voit que la Bhagavad Gita, même 5000 ans après avoir été parlé par Krishna, est toujours très très lue, et ça c'est à cause des bénédictions de son guru. So many years later, when Krishna met Sudama Brahmin in Dwarka, you say, oh, do you remember when we were in Gurukul? Et des années après, quand Krishna a revu son ami Sudama à Dwarka, alors il a dit, oh, tu te rappelles quand on était au Gurukul ensemble? Now Krishna, he has 16,000 vast palaces. Et maintenant, Krishna, il avait
16 000 grands palais. And he's very famous and successful. Il était tellement, il avait la gloire et le succès. Oh, all good things that I have in my life, it came from Gurudev's blessings. Il disait, oh, toutes les choses bonnes qui m'arrivent dans ma vie, ça vient de, des bénédictions de Gurudev. So Krishna said this verse: Naham ija prajati bhyam tapaso pasamenava. Tusyam sabhutatma guru susrayayata. It means, I am not so pleased by performance of jagyas, receiving upanayan sanskar, the Brahmin thread, performing austerities, or the going into samadhi, trance, as I am pleased by that person who serves his spiritual master with faith. Et Krishna dit, je ne suis pas autant satisfait des yagyas, de recevoir le cordon sacré, des austérités et d'aller en samadhi que le dévot qui sert son gourou. So here actually, this verse relates to two types of guru. The guru on the path of gyan, knowledge, and the guru on the path of bhakti. Ce verset réfère à deux types de gourous, le gourou sur la voie du gyan, la connaissance, et le gourou sur la voie de la bhakti, la dévotion. If you analyze it, meaning referring to the guru on the path of gyan, then these four things that Krishna mentions are the duties of the four ashrams, brahmachari, grihastha, vanaprastha, and sannyas. Si on l'analyse du point de vue du gourou du gyan, alors les quatre choses que Krishna a parlé, c'est en rapport avec les quatre ashrams, brahmachari, grihastha, vanaprastha et sannyas. So first of all, naham ija means performance of jagyas. Krishna say, I am not so pleased by the performance of jagyas which is done by the grihasthas. Il dit, donc en premier, je ne suis pas vraiment satisfait des yagyas, donc des grandes cérémonies sacrificielles. Ça, c'est ce que font les grihasthas. Prajati bhyam, I am not so pleased by the upanayan sanskar, the initiation ceremony to receive upavit, sacred thread, that is done by brahmacharis to allow them to enter into the study of the Vedas. Et donc je ne suis pas non plus très satisfait de ces initiations dans lesquelles on reçoit le cordon sacré. Ça, c'est en référence aux brahmachari qui reçoivent le cordon sacré pour commencer leurs études des Vedas. I am not so pleased by tapasa, doing austerities, that is the duty of the vanaprastha, the retired. Je ne suis pas satisfait des austérités. Tapasya, ça c'est en référence aux vanaprastes qui se retirent de la vie de famille et qui font de grandes austérités. Tapasya upasamena. Upasana means dhyan, meditation. That is the duty of the sannyasis. Upasana, ça veut dire dhyan, la méditation, et ça c'est en relié au devoir des sannyas. As I am pleased by serving guru. Et donc je ne suis pas autant satisfait de tout cela que je suis satisfait par quelqu'un qui sert le guru. This is the interpretation on Gyan Mark. Now, the interpretation on Bhakti Mark. Ça c'était l'interprétation sur le Gyan Mark et la voie de du Gyan, de la connaissance. Maintenant on va voir l'interprétation sur le Bhakti Mark, la dévotion. Then it means Naham Ija, I am not so pleased by that devotee who is doing puja, worshipping the deities. Je ne suis pas complètement satisfait. Please, but not as pleased. Je ne suis, bien sûr, je suis satisfait, mais pas autant satisfait par le dévot qui fait la puja, l'adoration dans le temple. I am not so much pleased by that person pajatibya who receives diksha. Je ne suis pas autant satisfait par celui qui reçoit diksha, le deuxième aspect de la bhakti. Then tapasa means I am not so pleased by that devotee who concentrates and goes into the dhyan meditation. Je ne suis pas autant satisfait par ce dévot qui arrive à se concentrer et entrer dans le dhyan, dans la méditation. Upasamena, and if his meditation is mature and he's in the state of praying and he's serving me internally, even that does not please me as much as when he serves his Gurudev's lotus feet. Et celui qui a atteint le prem et qui à l'intérieur de son cœur peut me servir, et ben quand même je ne suis pas autant satisfait que celui qui serre les pieds de lotus de son maître spirituel. Understand?
This is a very powerful verse that Krishna is speaking. Ça c'est un verset tellement puissant que Krishna parle. So in the commentary on this verse, Sridhar Swami, he says that Guru Seva is a swatantra anga. That means independent limb of bhakti. In other words, a person can get all perfection by serving their guru, even if they don't do any other limb, any other practice. Dans son commentaire, Sridhar Swami il dit que c'est cet aspect de la bhakti, Guru Seva, est complètement indépendant. Swatantra anga. Swatantra anga, complètement indépendant, qui veut dire que en suivant seulement cet anga, cet aspect de la bhakti, alors on peut obtenir le résultat de tous les autres angas sans les suivre. So, in this way, Chaitanya Mahaprabhu is explaining to Sanatana Goswami, and you can study in Bhakti Rasamrita Sindhu, there's a detailed explanation of 64 angas of bhakti. De cette façon-là, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseigne chez Sanatana Goswami et vous pouvez étudier dans le Bhakti Rasamrita Sindhu la description que fait Rupa Goswami sur ces 64 angas de la bhakti. In the end, Mahaprabhu explains Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Sravan Sri Muti Mathura Vasa Sri Muti Rasadeya Sevan. There are 5 angas of bhakti which are very, very powerful. Puis, il est dit qu'il y a 5 angas de la bhakti qui sont extrêmement puissants. Sadhu Sangha, the association of saints. Sadhu Sangha, la compagnie des saints. Nam Sankirtan. Nam Sankirtan. Bhagavat Sravan. Bhagavat Sravan. Hearing the Srimad Bhagavatam. Écouter, entendre le Srimad Bhagavatam. That is, then, residing in the holy place like Mathura, Vrindavan, Navadvip ou Jagannath Puri. Puis résider dans un lieu saint comme Mathura, Vrindavan, Mayapur, Jagannath Puri. And finally, serving the deity with a strong faith. Et finalement, servir la déité avec une foi ferme. Now, of these 5, Sadhu Sangha is the main one because the other 4 practices cannot become perfected without Sadhu Sangha. Parmi ces 5, le Sadhu Sangha est la plus importante parce que les 4 autres ne peuvent pas atteindre leur perfection sans le Sadhu Sangha. So it means Kirtan in Sadhu Sangha, hearing Srimad Bhagavatam in Sadhu Sangha, living in the Dham in Sadhu Sangha and serving the deity with faith in Sadhu Sangha. Donc ça veut dire Kirtan avec le Sadhu Sangha, vivre dans un lieu saint avec le Sadhu Sangha, adorer, faire la puja avec le Sadhu Sangha. So, what does it mean to hear Srimad Bhagavatam? Qu'est-ce que veut dire écouter le Srimad Bhagavatam? And what is the nature of Sadhu Sangha? Et quelle est la nature du Sadhu Sangha? So Mahaprabhu is saying, Srimad Bhagavatam Aswado Rasikai Saha Sajataya Shaisnigdei Sadhu Sangha Suto Bhai. Hearing Srimad Bhagavatam means tasting the many, many meanings of each verse, each line, each word, each syllable of Srimad Bhagavatam in the association of Rasik Vaishnavas. Écouter le Srimad Bhagavatam, ça veut dire goûter tous les différents niveaux de compréhension de chaque verset, de chaque ligne, de chaque mot et même de chaque syllabe dans la compagnie d'un Rasik Vaishnava. So this is what it means, hearing Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Then what is Sadhu Sangha? Sajataya sai snigdei Sadhu Sangha Soto Pare. First condition of Sadhu Sangha is Bare. That means that devotee should be significantly more advanced than oneself. La première condition du Sadhu Sangha c'est Bare. C'est-à-dire que cette personne, ce Sadhu doit être bien plus avancé que nous ne le sommes spirituellement. Snigdha, snigdha means that devotee should be affectionate. Plus snigdha, ce dévot doit avoir de l'affection pour nous. The inner meaning of that is that you should serve that devotee in such a way that in his heart he makes a sankalpa, a vow, you will be my kripa patra, the recipient of my mercy. Ça veut dire que nous devrions servir ce Vaishnava d'une telle façon que dans son cœur il fasse
un vœu, une résolution que tu seras le récipient de ma miséricorde. Kripa Patra means like a container. Patra veut dire un bol. And he will pour his mercy and you will be full and overflowing with that mercy. Et il versera sa kripa, sa miséricorde, et le bol de votre cœur se remplira et il débordera de cette miséricorde. So that is the meaning of snigdha, affection. Ça c'est là ce que veut dire snigdha, l'affection. Then very important, sajata ashay. The ashay means the antakaran, the chitta, your deepest region of your heart. So this is ashay. Ashay, c'est la plus profonde région de votre cœur. So if you have been hearing about the pastimes of Krishna and you have developed the impressions, I want to love Krishna in one particular mood, then in your ashay, in the deepest region of your heart, there you aspire for one mood. The sadhu that you associate with should be realized in that mood that you are aspiring for. Donc si vous avez entendu les divertissements de Krishna et que dans la région la plus profonde de votre cœur vous aspirez pour servir Dieu, mais dans une certaine saveur d'amour que un de ses compagnons éternels a, et que vous aspirez vraiment à ça, alors votre maître spirituel doit avoir ce même mood. Understand? Jati means category. Jati veut dire une catégorie. So sajatiya means in the same category. Sajatiya, ça veut dire dans la même catégorie. So sajatiya ashay, your ashay, your heart, and his ashay should be sajatiya in the same category. That is that the sadhu is realized in the mood that you are aspiring to attain. Votre ashay et l'ashay de votre maître spirituel doit être dans la même catégorie. So then, Mahaprabhu is saying, Duru adbhuta viryesmin sada dures tu panchake yatra solpaupi sambandha sadhyam bhav janmane. Very incredible verse. He's saying, the power of these five practices of bhakti, Duru adbhuta, is so astonishing and it's difficult to express or understand, to comprehend how powerful it is. Donc ces cinq aspects de la bhakti sont tellement puissants que c'est inconcevable. On ne peut pas comprendre à quel point il y a de la puissance dans ces cinq aspects de la bhakti. So then he's explaining how it's so incomprehensibly powerful. Puis il explique de quelle façon c'est tellement incompréhensiblement puissant. Mahaprabhu is saying, Shraddha dhure astupanchake. There's a person and they don't have faith. They're shraddha dure. They're far away from having faith. Donc il y a une personne qui n'a pas de foi, qui est même très loin d'avoir de la foi. Yatra solpaupi sambandha, but they have su alpa sambandha, a very slight touch of these one of or more of these five angas. Mais ils effleurent un ou plusieurs de ces cinq angas. Sadhyam bhav janmane, at once being touched, then bhav appears, ecstatic love for Krishna. Alors étant touché, alors bhav, l'amour extatique de Dieu se manifeste. But one condition, sadhyam, means that the person is offenseless. Bien sûr, il y a une condition, c'est que cette personne soit sans offense. That person is not critical and not hypocritical. Cette personne n'est pas critique ni hypocrite. So a simple person, or even without faith, if they're touched by one of these five angers, then they will feel bhav, ecstatic love for Krishna. Une personne simple de cœur, alors s'il est effleuré par un de ces cinq angas, alors il ressentira tout de suite l'amour extatique de Dieu. It's amazing. Srila Rupa Goswami gives an example. Srila Rupa Goswami donne un exemple. One man is saying, I don't know why, but ever since one saint walked before my eyes, he was singing the holy names and he was crying and trembling. But since the moment I saw him, I've lost interest in my house and my family members. I don't know why, but une personne dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu cette personne passer qui chantait les noms divins avec les yeux emplis de larmes. Et depuis que je l'ai vu, j'ai eu cette vision, alors j'ai complètement perdu
mes intérêts matériels pour ma maison, ma famille, etc. So in this poem, it's illustrated the person who was singing and dancing and crying, he was a saint. So Sadhu Sangha was taking place. Dans ce poème, cette personne qui passait en chantant et en pleurant, c'était un saint. Donc ça décrit le Sadhu Sangha. And he said, I don't know why I feel like this, means he doesn't understand anything. He did not develop any faith in bhakti. Et il dit je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. En fait, il n'avait pas de foi dans la bhakti. But he said I've lost interest in all my house and worldly activities. Mais j'ai perdu tous mes intérêts pour ma famille et mes activités mondaines. That is the side effect of the appearance of bhava, shanti, ravyata, kalakvan, birakti, mana shunyata. Detachment is the side effect of bhava. Ça c'est un effet secondaire de bhava, du développement de bhava, des émotions spirituelles, perdre ses attachements matériels. Now Mahaprabhu is explaining that Eka anga sade keho sadi bahu anga nishto hoyla upajoy prema rataranga. If one practices just one of the angas of bhakti, or if a person practices many of the angas of bhakti, if he has nishta, steadiness and faith in that practice, then nishto hoil upajoy prema rataranga, he will feel the waves of love rising in his heart. Si quelqu'un pratique un de ces aspects ou plusieurs de ces aspects de la bhakti avec une foi vraiment ferme, alors il sentira se lever l'amour de Dieu dans son cœur. So then Mahaprabhu gives examples of devotees who became perfect by just one anga of bhakti, and then a devotee who became perfect by practicing many angas. Puis Mahaprabhu il décrit les dévots qui sont devenus parfaits en pratiquant un des aspects de la bhakti, puis il décrit les dévots qui sont devenus parfaits en pratiquant plusieurs aspects de la bhakti. So Sravanam, who became perfect just by hearing? Qui est-ce qui est devenu parfait simplement en écoutant? Parikshit Maharaj. Who became perfect just by speaking? Qu'est-ce qui est devenu parfait simplement en parlant? Shukadev Goswami. Who became perfect just by smaranam, remembering? Qui est devenu parfait simplement par le smaranam, le souvenir? Prahlad Maharaj. Yes. Who became perfect just by pada sevanam, serving lotus feet? Qu'est-ce qui est devenu parfait par le pada sevanam, le service des pieds de lotus? Lakshmi Devi. She's always massaging the lotus feet. Qui masse constamment les pieds. So then Archanam, who became perfect by doing puja? Archanam, qui est-ce qui est devenu parfait en faisant la puja? Prithu Maharaj. Who became perfect by bandanam, offering prayers? Qui est-ce qui est devenu parfait en offrant des prières? Akrura. You know, when Akrura bought Krishna Balaram from Vrindavan, on the way, he stopped to take bath in the Brahma Rad, and then he saw Krishna Balaram in the water as Lord Narayan and Ananta Shesh, and he offered prayers, so he became perfect by Bandhanam. Quand Akrura a transporté Krishna sur son chariot de Mathura à Vrindavan, et il a vu dans la rivière Krishna et Balaram qui se sont manifestés comme Seigneur Narayan et Ananta Shesh, alors il a offert ses prières et il est devenu parfait par ses prières. Who became perfect by dasyam, serving? Qu'est-ce qui est devenu parfait par dasyam? Hanuman. That's Hanuman, yes. And who became perfect by sakyam, being the friend of Krishna? Qu'est-ce qui est devenu parfait par sakyam, le devenir l'ami de Krishna? Arjuna, yes. Arjuna. And then who became perfect by Atmanivedanam, surrendering everything? Qu'est-ce qui est devenu parfait par Atmanivedanam? Bali Maharaj. Yeah. Because Lord Vamandev said, I only want 3 steps of land. With 2 steps he took the whole universe. Said, where can I put my next step? And Bali Maharaj said, you can put it on my head. Parce que Vamana Maharaj, il a dit, tu m'as promis 3 pas de terre, et avec mes 2 premiers pas, j'ai déjà pris tout l'univers. Où est-ce que je peux mettre mon 3e pas? Et Bali Maharaj, il a dit, sur ma tête. So, keho sadi eka anga sadi keho sadi bahu anga. A devotee can practice one anga of bhakti, who he may practice many. So the example of one who practices many is Ambarish Maharaj. Un dévot peut pratiquer seulement un aspect de la bhakti ou il peut en pratiquer plusieurs. Donc l'exemple du dévot qui pratique
plusieurs angas de la bhakti, c'est Ambarish Maharaj. Savai mana Krishna padarabindayo bachangsi vaikunta gunan vanane. Hare karo hari mandira majanarishu sutim chakatu cha satkathodare. He engaged his mind in thinking of Krishna. He engaged his tongue in describing Krishna's qualities. Il a engagé son mental dans le souvenir de Krishna, sa langue dans, en décrivant les qualités de Krishna. He engaged his hands in decorating and cleaning the temple. Ses mains à décorer et à nettoyer le temple. He engaged his ears in hearing harikatha. Ses oreilles à écouter les harikatha, les enseignements. His head in bowing down. Sa tête en se prosternant. His eyes in seeing the deity. Ses yeux à voir la déité. His feet on going on parikrama. Ses jambes en allant en pèlerinage. His nose in smelling the flowers offered to the Lord. Son nez en sentant les fleurs qui ont été offertes au Seigneur. His tongue in tasting the Mahaprasad of the Lord. Sa langue en goûtant le Mahaprasad du Seigneur. And he engaged all of his desires in fulfilling the desires of Krishna's devotees. Et il a engagé tous ses désirs à combler les désirs des dévots du Seigneur Krishna. So in this way he practiced many angas and became perfect. De cette façon, il a pratiqué beaucoup d'aspects de la bhakti et est devenu parfait. So in this way Mahaprabhu explained about Vaidhi Bhakti. De cette façon, Mahaprabhu a expliqué la Vaidhi Bhakti. Now he's coming to Raganuga Bhakti. Et maintenant, il arrive à la Raganuga Bhakti. If we want to understand Raganuga Bhakti, we first have to understand Ragatmik Bhakti. Si nous voulons comprendre la Raganuga Bhakti, d'abord nous devons comprendre la Ragatmik Bhakti. Iste swara siki raga prama vistatha bhavet tanmayi yad bhavet bhakti ya satra ragatmiko ditaha. The meaning is this. Rag means premamoyi trishna, an unquenchable loving thirst. Rag, ça veut dire une soif qui ne peut pas être comblée. Hein? Just satisfaite. Like a person is thirsty and they need to drink. Similarly, this person has such a love which is like a thirst. They need to serve and please Krishna. And that thirst, it is unquenchable. Donc tout comme quelqu'un qui a très très soif, il a vraiment besoin de boire. Quelqu'un qui a tellement d'amour pour Dieu, il a besoin de servir Dieu. Mais en même temps, cette soif, elle ne peut pas être, cette soif de servir Dieu, elle ne peut pas être complètement comblée, étanchée. So that means it doesn't matter how much they serve, they feel I have not done any service and they're still thirsty to do more service and please Krishna more. En d'autres mots, quelle que soit la quantité de service qu'ils font, alors ils ont l'impression qu'ils n'ont encore rien fait, ils veulent toujours continuer à servir plus. So that rag is swarasiki raga. It is swarasiki, that means spontaneous. Cette rag est swarasiki, c'est-à-dire spontané. Just like the senses are spontaneously attracted to the objects. Tout comme nos sens sont spontanément attirés par les objets de nos sens. If there's a big crowd of people, just regular people, but in that crowd there's one person who's very beautiful, your eyes will just go there. You don't even think about it. Without any control, spontaneous, the eye will go to the beautiful person. Imaginez, il y a une foule de personnes, mais il y a une personne vraiment très très belle dans la foule. Immédiatement, sans même y penser, vos yeux seront attirés par cette belle personne. So, that is the swarasiki rag. Natural spontaneous attraction. C'est la swarasiki bhav, l'attirance spontanée. So when all of the senses have that swarasiki rag, spontaneous, unquenchable thirst to serve, and is directed ishte only to Krishna, then that is called ragatmik bhakti. Lorsque tous les sens ont cette attirance spontanée et ce désir insatiable de servir Krishna, alors on appelle ça Ragatmik Bhakti. Iste swaraski raga prama vistata bhavet. We have described so far the swarup lakshan, the intrinsic characteristic of Ragatmik Bhakti, but there is a tatastha lakshan, an extrinsic characteristic also. On a décrit la définition intrinsèque de la Ragatmik Bhakti, mais il y a aussi
un aspect externe de la raga. And there is Paramavistata Bhavet. This rag is accompanied by the complete absorption in Krishna. Ce rag est accompagné par une absorption totale en Krishna. The reason this is the tatastha lakshan, secondary symptom, is because the rag is the cause of that absorption, and also because people like Kamsa, they're also absorbed in Krishna, but they have no devotion. Pourquoi elle est mise en deuxième position? Parce qu'elle est le résultat, cette absorption elle est le résultat du rag, et aussi parce que des personnes comme Kamsa, qui n'avaient pas d'amour pour Krishna, ils étaient quand même dans cette absorption, dans une absorption, un type d'absorption. So now this ragatmik bhakti and this and along with this, this absorption in Krishna is only in the eternal associates of Krishna in Golok Vrindavan. Cette ragatmik bhakti avec cette absorption totale en Krishna, elle existe seulement dans les compagnons éternels de Krishna dans le monde spirituel. So now what is raganuga bhakti? The word anuga means following. Qu'est-ce que la raganuga bhakti? Anuga, ça veut dire suivre dans les traces. So the bhakti which is following that bhakti of the eternal associates is called raga anuga. Cette bhakti qui suit dans les traces de ses compagnons éternels, la dévotion éternelle qu'ont les compagnons de Krishna, c'est la raganuga bhakti. So Mahaprabhu is explaining. Birajantim abhibhyaktam brajabasi janadishu. Ragam anustritya yasa raganuga uchate. The meaning is that this love is most prominently manifest in the associates of Krishna, the Brajabasis, and the bhakti which is following their mood is called raganuga. Mahaprabhu décrit que cet amour il est totalement manifesté dans les compagnons éternels de Krishna, et cette bhakti qui suit ce mood, c'est la raganuga bhakti. So, ragatmakam anusritya yasa raganuga uchate. Now Mahaprabhu is explaining to Srila Sanatana Goswami how one practices this sadhana of raganuga bhakti. Puis Mahaprabhu explique à Sanatana Goswami comment une personne peut pratiquer cette raganuga bhakti. First of all, Krishnam smaran janam chasya prastam nija samihitam tattat kathar chaschaso kuryat vasam braje sada. One should remember Krishna, but along with an associate whom one desires to follow in the footsteps of. Donc tout d'abord, le dévot devrait se souvenir de Krishna avec un compagnon éternel de Krishna qui, et dont il a une attirance pour le mood de relation qu'il a avec Krishna. This is also one of the main differences between Vaidhi and Raganuga Bhakti. In Vaidhi Bhakti, you can focus on Bhagavan, on Krishna. But in Raganuga Bhakti, we remember Krishna along with the associates, and you have more focus actually on the associates than Krishna. C'est aussi une des différences entre la Vaidhi Bhakti et la Raganuga Bhakti. Dans la Vaidhi Bhakti, on se concentre sur Krishna, alors que dans la Raganuga Bhakti, on se concentre sur Krishna et un compagnon éternel de Krishna, et notre concentration, elle est en fait plus sur le compagnon éternel de Krishna. So, tatakatar tascaso. And you should become absorbed in hearing the katha about the loving relationship between Krishna and that associate or those associates in that category. Puis nous devrions être attirés, absorbés dans les kathas, dans les enseignements qui décrivent cette relation d'amour entre ce compagnon éternel particulier ou ce groupe de compagnons éternels particuliers qui ont cet amour particulier pour Krishna. Kuryat vasam braje sada and always reside in Braja. Et tout en résidant constamment à Braja. So if you can go and live in Braja, that's very good. Si vous pouvez aller et vivre à Braj, bien sûr c'est le mieux. But if because of the corona pandemic, you have been kicked out of India. Mais si à cause de la pandémie du corona vous avez été éjecté de l'Inde. So then if you cannot physically be there in Vrindavan, then you should always think in your mind that I'm staying in Vrindavan. Alors si vous ne pouvez pas être à Vrindavan physiquement, alors au moins mentalement vous devriez constamment penser que vous êtes à Vrindavan. So this is the first aspect of Raganuga Bhakti Sadhana. Ça c'est le premier aspect de la Raganuga Bhakti Sadhana. Now there's a wonderful thing about the citta.
Il y a quelque chose de merveilleux à propos du citta. And that is, it takes on the qualities of whatever you are thinking of. C'est que elle prend les qualités de ce dont vous pensez, ce à quoi vous pensez. Just like Bharat Maharaj was thinking of a deer, and in his next life he became a deer. Tout comme Bharat Maharaj, il pensait constamment à une biche, et dans sa vie d'après, il est devenu une biche. So in exactly the same way, if you are always focusing on a particular associate of Krishna, then your chitta will become just like that associate, and at the end of your life, you'll attain eternal service like that associate in Krishna's lila. Donc si vous vous absorbez de votre conscience dans le souvenir d'un associé éternel particulier de Krishna, alors vous allez développer ce même mood, ce même qualité de cet associé dans votre, vous allez reprendre naissance comme avec ce même type de relation avec Krishna que cet associé. Bharat Maharaj accidentally became a deer. Donc Bharat Maharaj par accident est devenu une biche. But by that he's showing us the principle of how one attains a particular situation through avesh, absorption in that thought. Mais il nous montre par cette expérience que comment une âme elle se met dans une situation par rapport à avesh, l'absorption qu'elle a. So what to speak of when you leave this world, but being in this world, by focusing on remembering a particular associate, your chitta will transform and become just like that associate. Sans parler de quitter au moment où vous quittez ce monde, mais tout en vivant dans ce monde, si vous vous absorbez dans un compagnon particulier, alors votre chitta, votre conscience va s'imprégner de tout comme le mood de ce compagnon particulier. So, Krishna Smaram Janam Chasya, remembering Krishna and his associate, you can do that in the stage of Ruchi, and then being absorbed in that, when you come to the stage of Asakti, your chitta will become like that associate you're remembering, and your Siddha Roop will begin to appear in the stage of Asakti. Se souvenir de cet associé, c'est au niveau de Ruchi. Et devenir complètement absorbé dans cet associé, ce compagnon éternel de Krishna, c'est au niveau de Asakti. So asakti, in that stage, in the mature stage of asakti, there is the abhas of swarup siddhi. That means you have not become perfect yet, but there's a reflection of that is in your heart, and you're meditating on serving internally, and that is seva sadaka rupena siddha rupena chatri. Serving outwardly by chanting and remembering, and serving inwardly following the residence of Vrindavan. Et à ce niveau de Ashakti, alors on peut avoir le Abbas, le reflet de notre forme, notre Swarup, notre forme éternelle. Et nous pouvons, notre pratique est extérieurement, nous chantons le Harinam, mais intérieurement, nous servons en suivant le mood de ce compagnon éternel. Yes, oh, this is the stage called Asakti. Ça, c'est le niveau Asakti. Yeah, don't say Ashakti. Okay. Shakti means power. If you are Ashakti, means you have no power. Il ne faut pas dire Ashakti, parce que Shakti veut dire la puissance, et Ashakti veut dire pas de puissance, c'est Asakti. Asakti, attachment, yes. C'est-à-dire attachement. So, in this way, Mahaprabhu, he said, O Sanatana Goswami, briefly I have described the process of devotional service to Krishna. Mahaprabhu dit à Sanatana Goswami, très brièvement, j'ai décrit le processus du service de dévotion à Krishna. Because it is unlimited, it cannot be fully described. Parce que bien sûr, c'est illimité, ça ne peut pas être complètement décrit. Now, Krishnam Smaram Janam Chasya, we are the followers of Srila Rupa Goswami. Nous sommes les disciples de Srila Rupa Goswami. So our parampara is called Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Following Rupa Goswami. C'est pour ça que notre parampara il s'appelle Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. So Sri Rupa Goswami is Rupa Manjari, the maidservant of Radhika. C'est que Sri Rupa Goswami, c'est Rupa Manjari, la servante la plus proche. So, all of our acharyas are following this mood. Tous nos acharyas suivent cette humeur particulière d'amour. Oh, Srila Bhaktisiddhanta Thakur is Nayanamani Manjari. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur est Nayanamani Manjari. Srila Bhaktivinoda Thakur is Kamala Manjari. Srila Bhaktivinoda Thakur c'est Kamala Manjari. Srila Sanatana Goswami is Labanga Manjari. Srila Sanatana Goswami c'est Labanga Manjari. So we want to follow in the footsteps of our acharyas outwardly
and gradually become qualified to follow them inwardly. Nous voulons suivre dans les traces de nos acharyas extérieurement et graduellement pouvoir les suivre également intérieurement. Why did Chaitanya Mahaprabhu, if our goal is Raghunuga Bhakti, spend so much time explaining to Sanatana Goswami about Vaidhi Bhakti? Si notre but est la Raghunuga Bhakti, pourquoi est-ce que si Chaitanya Mahaprabhu a pris tellement de temps à expliquer la Vaidhi Bhakti à Sanatana Goswami? Because Raghunuga Bhakti, those are qualified for that, are very rare. Pourquoi? Parce que ceux qui sont qualifiés pour la Raghunuga Bhakti sont extrêmement rares. Hein? But Vidhi Bhakti Rata Jani Swadinatra Ratna Dhani Raga Maga Karina Pravesh. If a person will very strictly try to follow the rules and regulations of Vaidhi Bhakti under the guidance of a Rasik Vaishnava, gradually their intelligence will become free from dependence on the rules of scripture, and then he'll enter into Raghunuga Bhakti. Pourquoi? Parce qu'une personne qui suit vraiment strictement la Vaidhi Bhakti sous le shelter, sous le refuge d'un Rasik Vaishnav, alors graduellement son intelligence va se purifier et devenir libérée de toutes ces règles et régulations. Il pourra entrer dans le Raghunuga Bhakti. So Vaidhi Bhakti is very important. Vaidhi Bhakti, c'est très important. Without following Vaidhi Bhakti, we will not have entrance into Raghunuga Bhakti. Sans suivre la Vaidhi Bhakti, nous ne pourrons pas entrer dans la Raghunuga Bhakti. Some people think I'll go directly to Raghunuga Bhakti. I'm not following any of these rules and regulations. This is for those in Aishwarya Bhav. Certains, ils vont dire non, mais moi je vais directement à la Raghunuga Bhakti. Je veux pas suivre toutes ces règles de la Vaidhi Bhakti. They are not bridge basses like me. C'est ceux qui sont dans le Aishwarya. C'est pas des bridge vasi comme moi. I am really in the mood of braja. Je suis vraiment dans le mood de braja. I smoke bidis. Je mange du pan. Et je mange du pan. Non. This type of undisciplined approach is the sahaja bhav. Taking Raghunuga Bhakti very cheaply, imitating. Ce type d'approche de la Raghunuga Bhakti, c'est les sahaja bhav. C'est ceux qui prennent la Raghunuga Bhakti de façon très cheap. Imitating. Et qui imitent. So, just to protect us from this, Srila Rupa Goswami said, Sravanat kirtanadini vaidhi bhaktu ditani tu tanyangani chatanyatra vigyayani manishi bihi. Those persons who are very wise, they have concluded that a person who is following Raghunuga Bhakti will also follow the angas of Vaidhi Bhakti. Srila Rupa Goswami, pour nous protéger de ça, il a expliqué que ceux qui suivent la Raghunuga Bhakti, alors ils suivent automatiquement toutes les angas de la Vaidhi Bhakti, toutes les règles. So outwardly, it looks like they are doing the same thing. Alors extérieurement, on a l'impression qu'ils font la même chose. Only internally the mood is different. Seulement intérieurement, le mood est différent. Oh, just like two people are walking down the street to visit the house of one friend. Tout comme deux amis marchent dans la rue pour aller visiter la maison d'un ami. One person is thinking, oh, when I get there, I am going to give. I have a gift for my friend. Et l'un se dit, ah, quand je vais arriver là-bas, j'ai un cadeau pour mon ami. And the other person is a thief. He's thinking, when I get there, I'll look around and see where he's hiding his money. Et l'autre ami, c'est un voleur. Il se dit, quand je vais arriver là-bas, je vais regarder qu'est-ce que je peux bien voler. So both are walking down the street. It looks like they're doing the same activity, but their internal mood is different. Donc extérieurement, ils marchent tous les deux pour aller à la maison d'un ami, mais intérieurement, leur mood est complètement différent. So in the same way, those in Vaidhi and Raghunuga, you can see the devotees, they're all doing the same thing, but it may be one person is absorbed in the Raga Marg, and the other one is just trying to somehow get out of the material world. Et donc, vous pouvez voir deux dévots extérieurement, ils font exactement les mêmes choses, mais à l'intérieur, l'un goûte vraiment le Raga Marg, alors que l'autre, il est en train de se battre pour essayer de s'extirper du monde matériel. So, in the next chapter, Mahaprabhu explains to Sanatana Goswami about the prayojan, praying, the goal of life. Puis, Chaitanya Mahaprabhu, dans le chapitre d'après, explique le prayojan, prem, qui est le but de la vie. So he describes about Krishna's qualities. Il décrit les qualités de Krishna. See, Krishna has 64
prominent qualities. He has unlimited qualities, but 64 are prominent. Sri Krishna a des qualités infinies, mais il en a 64 qui sont proéminentes. And of those qualities, 60 of them are in Lord Narayan, but there are four qualities that Krishna has that even Lord Narayan does not have. De ces 64 qualités, 60 sont dans le Seigneur Narayan, mais 4 qualités, même le Seigneur Narayan ne les a pas. First, Krishna's Rupa Madhuri. D'abord, la Rupa Madhuri de Krishna. That is the sweetness of Krishna's form. Qui est la douceur de la forme de Krishna. Maduram, maduram, madurasya vibhur, vapurasya vibhur. Maduram, maduram, vadanam, maduram. Madur. Madhu Gandhi, Mridu Smritam, Etadaho, Madhuram, 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 Madhuram. This is a verse by Srila Bilvamangal Thakur. C'est un verset de Srila Bilvamangal Thakur. It means, Srila Bilvamangal Thakur is absorbed and seeing how Radharani is looking at Krishna. Srila Bilvamangal Thakur est complètement absorbé. Il voit comment Radharani regarde Krishna. And seeing his very beautiful body. Et voyant son merveilleux corps. Oh, with his navel, beautiful like a lotus. Avec son nombril qui est beau comme une fleur de lotus. He has strong arms like a wrestler. Il a des bras très forts comme un lutteur. And Radhika thinks, maduram, maduram, madurasya vibhu. Oh, the body of Krishna is not only madur, but is madur madur. Mais Radhika pense, oh, le corps de Krishna n'est pas seulement madur, il est madur madur, doudou. But then her eyes went up and she looked at Krishna's face. Puis, maduram maduram, badanam maduram. Puis son regard est monté et elle a vu le visage de Krishna. And seeing his face, she pointed, oh. His face is not maduram maduram, it's maduram maduram maduram. Mais son visage n'est pas maduram maduram, il est maduram maduram maduram. Madhu Gandhi mridu smritam etadaho. And then Krishna came close to Radhika. Puis Krishna s'est approché de Radhika. And Krishna smiled. Et Krishna a souri. And when Radhika saw Krishna smile. Quand Radhika a vu le sourire de Krishna. And the fragrance of his smile because he was drinking honey wine. Et les effluves de son haleine parce qu'il buvait du vin de miel. So the smile of Krishna is not maduram or maduro maduram or maduro maduram maduram, but madhu gandhi mridu smritam etadaho maduram 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 maduram. Sweet, 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 sweet. Et donc le sourire de Krishna n'est pas seulement doux ou doux 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 doux, mais il est doux 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 doux. The French is also very sweet. Not madhu, only doux. Doux doux doux. So Radhika is the relisher of Krishna's sweetness, but we can say that his body is like the kingdom of sweetness, his face is like the throne, and his smile is like the emperor sitting on the throne, ruling over the kingdom of sweetness. Radhika, c'est celle qui peut goûter la douceur de Krishna. Et on peut voir que le corps de Krishna est comme le royaume de la douceur, son visage est le trône de la douceur, et son sourire est l'empereur de la douceur qui règne sur tout le royaume de la douceur. So then Krishna took his flute. And Krishna is smiling and putting the flute to his smiling lips. Puis Krishna a pris sa flûte et tout en souriant, il a approché sa flûte de ses lèvres souriantes. Smita kiran sukapure paisi adaramature sehi madhu matai tripubhane bangsi chidra akashe tarakuna shabdi paise dwani rupa pai pariname. Chaitanya Mahaprabhu is saying that all that sweetness of Krishna that was collected together in his smile,
Then that sweetness entered into the holes of his flute and was transformed into the Venudhvani, his flute song. Donc il est dit que toute la douceur qui a été collectée dans le lèvre de Krishna est entrée dans la flûte de Krishna et s'est transformée en cette musique de la flûte. So when Braja Gopis hear the sound of Krishna's flute, this is not just some music. This is the vibration which is infused with all the collected sweetness. The madhu, 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 and madhu, 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 madhu. Everything, and it's coming in the east, and they become completely mad and run after the sound of the flute. Lorsque les gopis entendent le son de la flûte, c'est pas simplement de la musique, c'est en fait une vibration qui est imprégnée, qui est gorgée de toute la douceur qui a été collectée en Krishna et qui a été envoyée dans cette flûte. So, Mahaprabhu described to Sanatana Goswami the 25 qualities of Radharani. Chaitanya Mahaprabhu décrit à Sanatana Goswami les 25 qualités de Srimati Radharani. So one of them is Paramutkarsha Tarshini. Suvilasa Mahabhava Paramutkarsha Tarshini. It means, due to her Mahabhava, her great love, Radharani has the highest thirst for see Krishna's sweetness. Dû à son grand amour pour Krishna, c'est elle qui a la plus grande soif pour Krishna. Krishna Madhurya Amrita Rasindu Mora Manasani Pati Sabapite Korimati Durdai Vaida Nade Ekabindu. Radharani is talking to her Sakhi. Oh, Sakhi, the sweetness of Krishna is like an endless ocean of amrita, nectar. Srimati Radharani parle à ses amis. Elle dit, oh, la douceur de Krishna est comme un océan de nectar. Rupa Madhuri, now we came to Veino Madhuri. Donc on a vu Rupa Madhuri, la douceur de sa forme, et on a vu Venu Madhuri, la and douceur now we're de coming sa to Prema Madhuri, that Krishna is surrounded by devotees who have such a love for him that the devotees of Lord Narayan have no idea of such love. Puis nous venons à Prema Madhuri, c'est-à-dire que les compagnons de Krishna ont un tel amour pour Krishna que les compagnons de Narayan, ça paraît complètement... And when that love is expressed, it becomes Leela. So you see the connection. Rupa Madhuri, Venu Madhuri, Prema Madhuri, Leela Madhuri. It's all coming from Krishna's Rupa Madhuri. Et quand ce Prema Madhuri, cet amour, il est exprimé, alors ça devient Leela Madhuri, la douceur des divertissements de Krishna. Donc vous pouvez voir vraiment la connexion entre la Rupa Madhuri, la Venu Madhuri, la Prema Madhuri et Leela Madhuri. Naturally, they're coming from Krishna's sweetness. So, when Radhika, she sees the sweetness of Krishna, she thinks, oh, this is like an ocean of sweetness. Quand Radhika, elle voit la douceur de Krishna, alors elle dit, oh, c'est comme un océan de douceur, de nectar. And I want to drink the whole ocean. Et j'ai simplement everything de boire la totalité de cet océan. But there's a problem. Mais il y a un problème. Mora manasani pati sabipite korimati. My mind becomes in a state of disease called sanipati. Mon mental devient dans un état de maladif qu'on appelle sanipati. Yeah. So this sanipati rogue comes about when the three humors of the body, kapha, pitta and vata, they should never be in balance. When they're in balance, then you will die.
En fait, quand les trois, comment on appelle ça déjà, les trois, les doshas, voilà, les trois doshas du corps, kapha, pitta et vata, ils deviennent en équilibre, alors c'est que c'est la mort. So just as they're coming in equilibrium, then you start trembling, perspiring, and you're so thirsty. You feel I'm about to die. It's true, you're about to die, and you feel very, very thirsty. Lorsque c'est, donc, ces trois doshas se mettent en équilibre, alors nous commençons à trembler, à transpirer, et nous sommes sur le point de mourir, et nous avons une soif terrible. And at that point, when the doctor sees the patient in that point, the patient, give me water, give me water. Et quand le docteur voit le patient dans cette telle condition, le patient dit, donne-moi de l'eau, donnez-moi de l'eau. But the doctor says, no, not one drop. Mais le docteur sait because a drop of water in that state will cause the patient to die at once. Donc le docteur refuse de donner de l'eau parce que dans cet état-là, si on donne ne serait-ce qu'une goutte d'eau au patient, il meurt. So Radharani is saying, when I see the sweetness of Krishna, it's like an endless ocean, and then my mind becomes like Sanipati, and I'm so thirsty, I want to drink the whole ocean, but Krishna is like the Vaidya. No, not one drop. Et donc Radharani, elle dit, quand je vois cet océan de douceur, j'ai juste envie de le boire, mais mon mental, il devient comme Vanipati, et Krishna, il est comme le docteur qui dit, non, tu n'auras pas ne serait-ce qu'une goutte. Because Krishna is leaving the village and going to the forest. Pourquoi? Parce que Krishna part du village et s'en va dans la forêt. But if Radharani will have the chance to meet with Krishna, then even meeting with him, she still feels like he's not giving even one drop. Et si Radharani a la chance de pouvoir rencontrer Krishna, de s'unir à Krishna, alors même cette union, elle ressent qu'en fait elle n'a pas pu boire une goutte. She's embraced by Krishna. She's drinking the nectar of Krishna's lips. And still, because when a thirst is unquenchable, it doesn't matter how much you drink, you still feel thirsty. Et même si elle goûte le nectar des lèvres de Krishna en l'embrassant, puisque cette soif, elle ne peut pas être étanchée, alors c'est comme si on n'avait rien bu, on en veut toujours plus. So this is the meaning of Jai Radha Madhava Kunj Bihari. When Radha Krishna embraces in a Nikunj, the intensity of the thirst of prema of Radhika is astonishing. C'est la signification profonde de Jai Radha Madhava Kunj Bihari. Quand Radha et Krishna se rencontrent dans le Kunj, alors la soif de Radharani, elle devient inconcevable. Ankasti tepi daite kimapi pralapam ha mohaneti madaram vidadata kasmat shamanuragam madavivala mohanangi. Radhika is in the lap of Krishna, embraced by Krishna. But she's crying, Ha Mohan, Ha Mohan, where are you, where are you? Radhika, elle est assise sur les genoux de Krishna, elle embrasse Krishna, mais elle crie, Ah, Mohan, Mohan, où es-tu, où es-tu? Suddenly, she thinks she's alone and Krishna is not there. Soudainement, elle pense qu'elle est seule et Krishna n'est pas là. It is praying by Chitta, oui. Touched on this yesterday, this subject. On a parlé de ce sujet hier. You may think, how can it happen? Mais comment c'est possible que ça arrive? It happens in this way. Ça arrive de cette façon-là. Radharani's buddhi, intelligence, becomes so sharp, so focused on the sweetness of Krishna. She focuses on one aspect of his sweetness at a time and becomes absorbed in that. La bouddhi, l'intelligence de Radharani devient tellement aiguisée, tellement concentrée sur un aspect de la douceur de Krishna qu'elle est seulement concentrée sur cet aspect. Oh, his fragrance is so attractive. Par exemple, oh, son odeur est tellement attirante. Oh, his skin is so soft. Ou alors sa peau est tellement douce. The sound of his voice is so sweet. Le son de sa voix est tellement doux. She becomes absorbed in just one quality. Fully. Elle devient pleinement absorbée dans une seule qualité. And then she cannot experience any of the other qualities. Alors elle ne peut pas expérimenter les autres qualités. Just like maybe you had this experience if you have a very fine needle. Par exemple, peut-être vous avez déjà eu cette expérience, vous avez une aiguille très fine, très pointue. And the hole is very small. Et le chat de l'aiguille est très petit. So you take the thread and you try to push it through, but the thread is a bit thick.
Mais et vous essayez de rentrer le fil dans l'aiguille, mais le fil il est un petit peu épais, il se divise. So you try to push it through, but only one little fiber comes through the other side, and you catch that, and you pull it, and only one fiber comes through, and on the other side it's all entangled. Et donc il y a juste. Who's done that? Yeah. Everyone has had that experience. Une petite fibre qui passe dans le chat de l'aiguille, et on arrive à prendre que un morceau de fibre, on tire, et là ça fait une petite pelote de l'autre côté. So Radharani's intelligence becomes like the eye of that needle. Only one quality of Krishna comes in, and all the others are kept outside. Donc Radharani, dans son absorption, elle est comme le chat de cette aiguille. Seulement une qualité de Krishna, une fibre vient, et quand elle tire, toutes les autres qualités de Krishna, elles restent coincées derrière. Then the next moment, Radhika thinks, where did Krishna go? Et donc le moment d'après, dit, mais il est où Krishna? Il est parti où? Though she's in his lap. Alors qu'elle est sur ses genoux. And she begins to cry, ha Mohan, where are you? Elle commence à pleurer, ah Mohan, où es-tu? This is Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Ça c'est Jai Radha Madhava Kunja Bihari. This love of Radhika is astonishing. L'amour de Radhika pour Krishna est inconcevable. Ekasya srutameva lumpati matim krishneti namaksharam sandrun madha paramparam upanayatanyasya bangsi kala esha snigda ganajuti manasime lagna pate vikshanat. Rupa Goswami described how one day Radhika was with her sakis, and one saki said, oh, have you seen the Krishna Sar? It's the name of a deer. Rupa Goswami décrit comment Krishna était avec comment Radharani était avec ses sakis, ses petites amies, et comment une de ses sakis a dit, oh Radharani, est-ce que tu as vu Krishna Sar? Qui c'est en fait le nom d'un. Only hearing the syllables Krishna, not even Krishna, only hearing Krish, then Radharani's intelligence exploded. Et simplement en entendant la syllabe Krish, alors l'intelligence de Radharani a implosé. Ekasya srutameva num pati mati, my mati, my intelligence was destroyed. Only hearing Krish. Simplement en entendant Krish, alors toute l'intelligence est détruite. And she had a spurti of Krishna in her mind. Et immédiatement, elle a vu une spurti, une vision de Krishna dans son cœur. And was attracted to him. Et elle était tellement attirée par lui. Then the next moment, sandrun madha paramparam upanayatanyansi bangsi kala. Krishna was far away. He began to play his flute. Et au même moment, Krishna, qui était loin dans la forêt, commençait à jouer de sa flûte. Then Radharani said, at first, I heard the syllable Krish, and my intelligence exploded. And now, what is the rest of my mind? Because you have buddhi as intelligence, and then you have manas. The rest of my mind, then, only hearing the sound of someone playing a flute, became insane. So one part of the intelligence became exploded, and the rest of the mind that was left over became mad. Donc Radharani, elle dit, en entendant simplement la syllabe Krish, alors mon intelligence a été détruite, et le reste qui est mon mental, Manas, est devenu complètement folle en entendant le son de la flûte. And in her heart, she had a sporty of that flute player. Et dans son cœur, elle a eu une vision de cet joueur de flûte. Then Vishakha had made a painting of Krishna, and she showed the painting to Radhika. Et Vishakha, une amie de Radharani, avait fait une peinture de Krishna. Elle a montré à Radhika cette peinture. So when Radhika looked at the painting, then this figure in the painting, his eyebrows moved. Et quand elle a vu la peinture de Vishakha, ses sourcils ont bougé comme ça. And Radhika became attracted to him. De Krishna dans la peinture, et donc elle est devenue tout de suite attirée par lui. Aisha snake the kata gana duty manasime lagna pate vikshana. She said, oh Saki, I've become attracted to this boy in the painting. Et elle a dit, oh Saki, je suis devenu tellement attiré par ce garçon là sur la peinture. First I became attached to that person whose name begins with the syllable Krish. D'abord j'ai été attiré par la personne dont le nom commence par la syllabe Krish. Then I became attracted to a person who plays a flute. Puis j'ai été attiré par une personne qui joue de la flûte. And now I've become attracted to another person in this picture. Et maintenant je suis attiré par encore une autre personne dans cette peinture. For a married woman, because he's married to Abhimanyu. For a married woman to have love for another man is a terrible thing. But I've got love now for three other men. So my life is terrible. It would be better for me if I should die at once.
La Dalani a dit pour une personne mariée comme moi, parce qu'elle est mariée à Abhimanyu, alors avoir de l'amour pour quelqu'un d'autre que mon mari, c'est déjà terrible, mais là j'ai de l'amour pour trois autres personnes que mon mari, donc en fait, il vaudrait mieux simplement que je meure maintenant. Custom dick purushatre, fire on me, I'm condemned, I love three men. And none of them are my husband. Le feu sur moi, j'ai de l'amour pour trois hommes et aucun d'eux n'est mon mari. So this is the anurag of Radhika. It is astonishing. Donc c'est l'anurag de Radhika, c'est inconsolable. Hosaki said, oh Radhika, don't be upset, it's all right. It's not three people, it's one person, Krishna. Les Sakirs dit, calme-toi, c'est pas grave. En fait, c'est pas trois personnes, c'est une seule personne, c'est Krishna. Then she became a little pacified. Alors elle a été un petit peu pacifiée. So, Radhika's prema is like this. It's supernatural. L'amour de Radhika, son prema, est comme cela, super surnaturel. So, why is Mahaprabhu describing these qualities of Radhika? Pourquoi est-ce que Mahaprabhu décrit ces qualités de Radhika? Si Radha Pada Padma Chavi Madurataya Prima Chid Chotirekam Bodhe Udbhuta Stavakamaya Tanu Sarva Vaidak Japurna Kaishoras Vyandritas Tad Ganaruga Pagana Sri Chamatkar Bhajo Divyalankara Vast Arasana Arasanu Sarasatsaki Radhika Kinkaristaha. We have been hearing about the love of Radhika for Krishna. Nous avons entendu de l'amour de Radhika pour Krishna. Her thirst to relish his Vishuddha Sattva, pure Madhurya sweetness. Sa soif de goûter sa pure douceur. Now, Sri Radha Pada Padma Chavi Madhurataya. The lotus feet of Radhika are effulgent. Les pieds de lotus de Radhika sont très effulgents. And the aura coming from the lotus feet of Radhika is the aura of prema. Et l'aura qui émane des pieds de lotus de Radhika sont l'aura de l'amour divin. And this prema is very condensed. Et ce prema, cet amour divin, est extrêmement condensé. It becomes like an ocean. Ça devient comme un océan. And it has many waves. Qui a beaucoup de vagues. And just as when there are waves in the ocean, it produces foam that floats up into the air. Tout comme quand il y a des vagues dans l'océan, ça produit de l'écume qui s'envole dans l'air. So the foam that comes from the waves in the ocean of condensed prema emanating from the lotus feet, the manjaris, their bodies are made of that foam. Donc cette écume qui émane la collision des vagues de cet océan d'amour de Dieu condensé qui émane de l'aura des pieds par Isolotus de Radharani, en fait le corps des Manjari sont faits de cette écume. So that is what the followers of Rupa Goswami are focusing on. Krishna Smaram Janam Chasya. Krishna and Radhika along with Janam. That is those manjaris whose bodies are made from the foam of the condensed ocean of Radhika's prema. C'est sur cela que ce Hishu Rupa Goswami se concentre. Rupa Manjari, c'est sur le couple Radha Krishna et les manjaris dont le corps est fait de cette écume qui émane de l'océan de prema des pieds de Radharani. So they are completely absorbed in Radhika's service. Ils sont complètement absorbés dans le service de Radhika. And their whole life is that Radhika should be happy by meeting with Sri Krishna in the Nikunjas of Vrindavan. Et leur vie est simplement de voir la joie de Radhika quand elle rencontre Krishna dans les Kunjas de Vrindavan. They have no other happiness or existence outside of that. Ils n'ont aucune joie ni même existence autre que cela. That is the raison d'être. C'est leur raison d'être. No need to translate. That's why we make a tilak every day. C'est pour cela que tous les jours nous faisons le tilak. One line means Krishna and one line means Radha. Une ligne est Krishna, une ligne est Radha. So they're parallel lines. They're not touching. Elles sont parallèles, elles ne se touchent pas. And this is the tulsi, means Brinda, Vrindavan. Et ça c'est la feuille de tulsi, Brinda, Vrindavan. So but these two lines they touch where? Here.
Et ces deux lignes, elles se touchent où? Là sur la tête. So our tilak is the emblem of Manjari Bhav. That means my only desire is that Radha and Krishna should meet together in Vrindavan. Et donc c'est l'emblème de la Manjari Bhav qui est que Radha et Krishna s'unissent où? À Vrindavan. So Brinda Devi, she said, oh, look how astonishing it is. Brinda Devi a dit, oh, regarde comme c'est tellement incroyable. Sprishati adimakundo radikam tatsakinam bhavati vapusikampa swedaromancha baspam adaramadu mudasya stetpibati sayatnad bhavati batatasam matatam chitrametat. When Krishna touches Radhika, then the maid servants of Radhika, they are trembling. Krishna did not touch them. Krishna touched Radhika, but the maid servants are trembling. The sakis are trembling. Quand Krishna touche Radhika, alors toutes les servantes de Radharani, de Radhika, tremblent. Pourtant, Krishna ne les touche pas directement. Il touche Radharani. Krishna is not touching them. Sweat and kampa sweater, but they are also perspiring. Mais même si Krishna ne les touche pas, elles transpirent. And tears are flowing from their eyes. Et des larmes coulent de leurs yeux. Adaramadu madasya chepibatte shayatnad. And when see Krishna drinks the nectar of Radhika's lips, then the sakis, the manjus, they become intoxicated. Et quand Krishna, quand Radharani goûte le nectar des lèvres de Krishna, alors toutes les sakis deviennent complètement intoxiquées. Pranayamaya vayasya kunjarendra pitakshi chititalamaru lambda nanda murchampatanti pratirata vidhano chestita chitra chitra smarati nibrita nikunje Radhika Krishna Chandru Smarana Pritani Kunje Radhika Krishna Chandru. The maid servants of Radha Krishna, Pranayamaya Vayasya, they are made of pranay, feelings of oneness with Radhika. Les servants de Radha Krishna, elles sont faites de pranay, ce sentiment d'union, d'unité de Radha et Krishna. In the Kunja Mandir, very beautiful pavilion in the forest, Radha Krishna are meeting, and the windows are like this lattice window. Et dans les Kunja Radha Krishna, but made of Chintamani. Se rencontrent comme des sortes de bosquets avec des petites fenêtres qui sont faites de Chintamani. Mm-hmm. With a lattice. Avec comme des comment on appelle ça, pas un grillage, mais un treillis. So kunja rangra, that is called kunja rangra, the holes of the window of the kunj, those maid servants, they offer their eyes to the kunja rangra. Et dans ces petits interstices dans le treillis, alors les manjari offrent leurs yeux. And they look inside. Et ils regardent à l'intérieur du kunja. And see how Radha Krishna playing together. Et voient comment Radha et Krishna jouent ensemble. In many astonishing, wonderful ways. De façon tellement incroyable et merveilleuse. And when they see this, labdananda murcham patanti, they feel so much bliss that they faint and they fall on the ground. All the manjus unconscious outside the kunj. Et elles ressentent tellement d'extase qu'elles tombent inconscientes et il y a toutes les manjaris qui sont étalées autour du kunj. So this is our prayojan, the goal of the life of the followers of Rupa Goswami. Donc ça c'est notre prayojan, le but de la vie de ceux qui suivent Rupa Goswami. So gradually, one who is under the shelter of Gurudev, following Vaidhi Bhakti very, very carefully, listening to the katar of Raganuga Bhakti, following Vaidhi Bhakti, but you can hear the katar of Raganuga Bhakti, gradually some greed will come, and these internal services will gradually, by the power of the holy name, awaken in the heart. Donc un dévot qui prend refuge de son Gurudev et qui suit très très consciencieusement la Vaidhi Bhakti, mais en écoutant les katas de la Raganuga Bhakti, alors graduellement dans son cœur, cet intense désir de suivre le mood des compagnons de Krishna se manifeste dans son cœur. This is the most confidential gift that was never given by anyone ever before. And Mahaprabhu is giving this Radha Dasyam service to Radhika.
Ce cadeau n'a jamais, et c'est le plus précieux, et jamais il n'a été donné dans l'histoire de l'humanité avant. Et Chaitanya Mahaprabhu est venu donner ce grand cadeau, Radha Dasyam, le service de Radharani. So try to fix this as the goal of your life. Alors essayez de fixer cela comme le but de votre vie. Hmm? I want only this and nothing else. Do or die. C'est ça que je veux et rien d'autre. Je faire ou mourir. If you can just fix this goal of your life, that this life is a success. Si simplement vous pouvez vous fixer ce but dans votre vie, alors votre vie est un succès. Just try to fix this. Essayez de fixer cela. And then engage in this, what Mahaprabhu is describing here, the Abhideya Tattva, the process, how to get that goal. Et donc suivez le Abhideya Tattva que Mahaprabhu décrit, le processus pour atteindre ce but. So in the end, Mahaprabhu is saying here in this chapter, my dear Sanatan, I just gave a brief description. I cannot describe it fully. Mahaprabhu, à la fin de ce chapitre, il dit à Sanatan Goswami, voilà, Sanatan, je t'ai donné une brève description parce que la dévotion ne peut pas être pleinement décrite. Then Krishna's Kairaj gives a benediction. Whoever hears this description of the process of devotional service spoken by Chaitanya Mahaprabhu to Sanatan Goswami will very soon attain Krishna Prema Dhan. Krishnadas Kaviraj Goswami, il donne cette bénédiction que celui qui entend cette discussion entre Chaitanya Mahaprabhu et Sanatan Goswami qui décrit le processus du service de dévotion, alors atteindra très rapidement Prema. Sri Rupa Raghunath Parijaro As Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. Always aspiring for the lotus feet of Rupa Goswami and Raghunath Das Goswami, Sri Krishna Das Kaviraj is narrating this Chaitanya Charitamrita. Aspirant toujours au refuge des pieds de lotus de Srila Rupa Goswami et Srila Raghunath Das Goswami, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami écrit le Chaitanya Charitamrita. So now chapter 22 is complete. Et voilà, nous avons fini le chapitre 22. And chapter 23 will describe in the next festival. Et le chapitre 23, nous l'écrirons dans le prochain festival. Gaur Premanande. So we'll sing one kirtan and then I believe there'll be a drama also. Alors, on va chanter un kirtan et il me semble qu'après il y aura une pièce de théâtre ici. What you say? You see how beautiful this Chaitanya Charitamrita is. Vous pouvez voir à quel point ce Chaitanya Charitamrita est tellement beau. In my life, I had the good fortune to associate with several very high-level Mahabhagavata Vaishnavas. Dans ma vie, j'ai eu vraiment la grande fortune de pouvoir avoir la compagnie de plusieurs Vaishnava Mahabhagavat très 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 élevés. And in the end of their lila in this world, when they're about to leave this world, I would ask them, is there some instruction? And they all told me the same thing. You read Chaitanya Charitamrita. Au moment où ils étaient prêts à quitter ce monde, à clore leur divertissement dans ce monde, je leur ai demandé, est-ce que vous avez une dernière instruction à me donner? Et ils ont tous dit, là, cette même instruction, étudie le Sri Chaitanya Charitamrita. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur said that if there's a big disaster, earthquake and flooding, Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il explique que s'il y a un grand désastre, genre une inondation ou alors un tremblement de terre, all the buildings are falling down. Et tous les buildings tombent. And you have to try to escape. Et vous devez vous sauver. Then just grab the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Take it with you. Alors simplement attrapez au passage Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita avec vous. And try to go to a high place. Et essayez de monter en haut d'une montagne. But if the water is getting higher and higher, the universe is being dissolved. Si l'eau monte et monte, l'univers est dissous. And it's a very desperate situation. C'est une situation désespérée. Then you can let go of the Bhagavad Gita. Alors tu peux lâcher la Bhagavad Gita. But don't let go of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Et ne lâchez pas Srimad Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita. And if the situation gets very, very desperate. Et si la situation s'aggrave et devient complètement désespérée. Then it's a very difficult choice. Alors c'est un choix très difficile. He said, but. Mais. You can let go of Srimad Bhagavatam, but don't let go of Chaitanya Charitamrita. Tu peux laisser partir le Srimad Bhagavatam, mais ne laissez pas partir le Chaitanya Charitamrita. So, actually, Srimad Bhagavatam
Pranamamalam yad vaishnavanam priyam. It is so dear, it is the life of the devotees. Je suis le Sri Srimad Bhagavatam, hein, c'est la vie même du dévot. In fact, in Hari Bhakti Vilas, the definition of a Mahabhagavat. A Mahabhagavat is a person who cannot live without the Srimad Bhagavatam. It's a Mahabhagavat. Dans le Hari Bhakti Vilas, c'est une description du Mahabhagavat. C'est une personne qui ne peut pas vivre sans le Srimad Bhagavatam. So, how is it that Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur could say then, if it's very dangerous, then let go of Srimad Bhagavatam. Donc comment est-ce que je suis là, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il peut dire que dans une situation désespérée, vous pouvez laisser partir le Srimad Bhagavatam. The reason is this, that if the Srimad Bhagavatam is lost. La raison est que si le Srimad Bhagavatam est perdu. But later, on the basis of Chaitanya Charitamrita, the whole Srimad Bhagavatam can be manifest again. Mais le plus tard, sur la base du Chaitanya Charitamrita, alors peut se remanifester, reprendre naissance le Srimad Bhagavatam. Because the essence of Srimad Bhagavatam is there in Chaitanya. Parce que l'essence du Srimad Bhagavatam est contenue dans le Sri Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita is lost. Then from the Bhagavatam, you cannot revive the Chaitanya Charitamrita. Mais si le Chaitanya Charitamrita est perdu, alors il ne peut pas reprendre naissance du Srimad Bhagavatam. Mm-hmm. So, Srinvatam, Srinvatam, Nityam, Giyatam, Giyatam, Mudha, Chinchatam, Chinchatam, Bhaktya, Chaitanya Charitamritam. Krishnas Kaviraj Goswami says, O devotees with great joy, hear and hear again Chaitanya Charitamrita, sing and sing again Chaitanya Charitamrita, meditate, meditate again and again on Chaitanya Charitamrita. Oh dévot, entendez, entendez encore le Chaitanya Charitamrita, puis étudiez, étudiez encore le Chaitanya Charitamrita et méditez, méditez, méditez encore sur le Chaitanya Charitamrita. Sri Chaitanya Charitamrita ki. All available in every language of the world by my Guru Maharaj. Srila Prabhupada.